Wesh, bien ou quoi? Tranquille ou quoi? Ouais, tranquille. Et voilà, encore une information incroyable qui vient de tomber. Moi, je pensais pas, j'y croyais pas, mais apparemment, il se pourrait que le match entre l'Algérie et le Cameroun soit rejoué. On va pas se mentir, on a déjà débattu sur le match. Il y a eu des erreurs incroyables. Voilà, il y a eu des manquements, des mains, sifflées. Bref, nous, on s'en fout. Après ça, là, là, en ce moment, là où je vous parle, il y a une enquête qui est en cours, hein? Et apparemment, ce qui ressort de cette enquête pour le moment, c'est que l'équipement de la vidéo, hein, pour l'arbitrage vidéo, il n'y a rien qui fonctionnait. Tu te rends compte de cette dinguerie? Ça veut dire que là, aujourd'hui, la FIFA, elle organise une Coupe du Monde. Hein? Écoute bien ce que je suis en train de t'expliquer. Elle organise une Coupe du Monde. Il y a des règles pour se qualifier à la Coupe du Monde qui ne sont pas les mêmes selon le continent. Tu te rends compte de ce que je suis en train de t'expliquer? Et selon le continent, les équipements ne sont pas les mêmes et les équipements ne fonctionnent pas de la même manière. Tu entends ce que je suis en train de t'expliquer? En Europe, il n'y a aucun problème en matière de vidéo, en matière d'équipement, en matière de tout ce que tu veux. En Amérique du Sud, pareil. En Asie, pareil. En Afrique, tous les problèmes sont là. Voilà. Tu vois, on nous met des arbitres incompétents, on nous met des équipements qui ne fonctionnent pas et on nous dit, allez, jouez. Voilà. Donc c'est comme ça que la FIFA traite l'Afrique. Hein? Donc nous, Africains, nous nous battons pour se battre pour aller en Coupe du Monde. Et vous nous mettez même pas les équipements adéquats pour participer à cette Coupe du Monde. Donc là, il y a eu un match qui a eu lieu entre le Cameroun et l'Algérie où il y a eu des manquements incroyables. Hein? Des manquements qu'on a tous vus jusqu'à que aujourd'hui, hein? Les Algériens et les Camerounais, ils ne peuvent pas rester dans la même pièce. Hein? Tu entends ce que je suis en train de t'expliquer? Ben oui! Bon, les Algériens, ils sont bons perdants, on va pas se mentir. Mais là, l'arbitre, tu penses que lui, il peut aller acheter son pain normalement? Hein? Si l'arbitre, il est trouvé, il le voit là. Oh, mais lui, il va manger cher. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des manquements. À cause de qui? À cause de la FIFA. Tu entends ce que je suis en train de t'expliquer? Tout le monde a insulté l'arbitre. Mais l'arbitre, lui, quand il allait devant les caméras pour aller regarder les actions, ben ça ne fonctionnait pas. On lui disait, bon, ben vas-y, tant pis, il n'y a pas but, il n'y a pas faute. Bon, tant pis, il y a main, il n'y a pas faute. On s'en fout, la vidéo, elle marche pas. Vous vous rendez compte des conséquences? Hein? Il y a des gens qui ont dû se faire frapper. Il y a eu sûrement des gens qui sont déçus. Il y a des gens qui ont mis de l'argent pour aller soutenir leur équipe. Et t'arrives devant eux, leurs installations, toutes leurs vidéos ne fonctionnent pas, alors que c'est eux qui empochent tout l'argent. Hein? Non mais toi, Infantino, t'es méchant, hein? Ou je sais pas comment tu t'appelles là. Mais toi, là, t'es mauvais, hein? Oh là là!